Chers compagnons, chers camarades et chers amis, chaque 29 mai, depuis plus de 10 ans, nous nous retrouvons ici aux Tuileries, à l'initiative heureuse d'André Bellon et de l'association pour une constituante. Et chaque année, nous remercions André Bellon pour cette initiative symbolique, donc importante, selon la formule consacrée. Chaque 29 mai, nous célébrons une victoire. Nous célébrons d'abord, bien sûr, le vote lucide et courageux des Français, qui, avec près de 55%, ont dit non au projet de constitution européenne lors du référendum du 29 mai 2005, refusant ainsi un projet néolibéral européiste, projet de soumission de la nation à une commission européenne technocratique non élue. Chaque 29 mai aussi, nous déplorons une défaite, celle du 5 février 2008, quand le Parlement français réuni à Versailles, avec sa majorité pseudo-socialiste et pseudo-gaulliste, autorisa la ratification du traité de Lisbonne, véritable copier-coller de la Constitution européenne, rejetée 2 ans plus tôt par le peuple souverain. Quelle honte ! Depuis 2008, nous crions notre immense colère, et cette colère ne faiblit pas, bien au contraire. Nous mesurons aujourd'hui plus encore l'importance de cette trahison, ses conséquences sur le destin des Français, sur l'avenir de la France. La politique menée sous Sarkozy, Hollande, Macron apparaît aujourd'hui dans toute sa réalité. Il s'agit de démanteler l'État français, de préparer la fin de la France pour cet avenir radieux, un État fédéral européen, anglophone, sous monnaie allemande, sous protection OTAN. Cette zone d'optimisation fiscale, entendue pour la rente et les dividendes, serait seule capable de résister à l'impérium chinois. Fin de la France. Qu'il soit dit ce soir, ici et maintenant, que nous ne partageons absolument pas cette vision du monde, ni la méthode, ni les objectifs, ni la philosophie qui la sous-tend. Sur la méthode tout d'abord, nous le comprenons, cette marche forcée à l'intégration européenne s'opère sous nos yeux en déconstruisant les États-nations. Tout est fait pour démanteler l'État français, cœur de la France. On détruit les structures territoriales par l'installation d'euro-régions et de zones transfrontalières contre l'avis même des populations concernées. En Corse, en Alsace, comme le dénonçait encore récemment Jean-Pierre Chevènement. On propose de mutualiser notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre dissuasion nucléaire. On vend à vil prix notre fleuron industriel Alstom, vendu par le ministre Macron au géant américain General Electric. On détruit l'État en paupérisant des pans entiers de sa structure pour rendre inévitables les mutations imposées. Fin de nos armées qui ne sont plus capables de mener de véritables opérations militaires. Nos jeunes officiers revenus des théâtres d'opération en témoignent. Ils sont contraints d'acheter eux-mêmes sur leurs soldes, avec l'aide des familles, des équipements nécessaires à leur propre sécurité. Une honte. Et vous vous étonnez que des généraux en tribune s'expriment ouvertement rejoints par des dizaines de milliers de gradés. Fin de notre police, instrumentalisée, abandonnée, le tout validé par des syndicats de police totalement corrompus, préférant des politiques indemnitaires à de véritables réformes politiques de fond. Combien de policiers, démissions, dépressions, suicides en témoignent, aussitôt sanctionnés par leur hiérarchie. Fin de notre justice française, dépourvue de tout moyen, sabordée, critiquée, puis soumise à une nouvelle hiérarchie des normes supranationales, comme nous avons pu ici le dénoncer, ici même citant le conseiller d'État courageux Jean-Éric Chetel ou le professeur Le Pourrier, brillante constitutionnaliste. Fin de l'éducation nationale par gabegie des moyens matériels et humains, rupture idéologique avec destruction de toute autorité, nivellement de tous les savoirs populaires, scientifiques, artistiques, dans une immense farandole démagogique, la cancel culture, l'écriture inclusive, la célébration ad nauseum des cultures minoritaires LGBT, trans, bis, bi. Fin du système de santé publique, numerus clausus catastrophique depuis 40 ans, financiarisation des politiques de soins, fermeture des lits, fermeture d'établissements, éloignement des services de publics de santé. Ainsi, le nombre de maternités passé en métropole de 1400 en 1975 à moins de 500 en 2016, 3 fois moins en 40 ans. En 2018, par exemple, dans le seul département du Lot,
17 femmes ont accouché sur le bord de la route. Voilà notre progrès. Et quand nos médecins, nos infirmiers, les syndicats de santé manifestent, c'est sous les coups de matraque de nos CRS. Fin des régimes de solidarité, baisse des pensions, y compris pour les plus précaires. Mise en place de systèmes assurantiels privés pour pallier la démission de l'État-providence. Nous pourrions citer 1000 exemples. Tous les Français le savent, mais comprennent-ils vraiment le dessein secret de cette politique? Il s'agit en fait de détruire l'État pour effacer la France. On encourage les 1000 travers d'une nation toujours portée à la division. La France, cet agrégat inconstitué de peuples désunis, selon le mot célèbre de Mirabeau, est aujourd'hui taraudée par ses démons, alimentée par un État démissionnaire, dirigé par ceux-là même qui ont vocation à le détruire. Quelle honte! Ce programme infâme dissimule des objectifs tellement visibles qu'ils en sont aveuglants. C'est le syndrome de la lettre cachée d'Edgar Allan Poe. L'évidence lumineuse aveugle notre conscience politique. Alors quel est leur objectif? C'est le triomphe de la financiarisation partout, dans tous les secteurs de l'activité humaine. Un exemple, la crise du Covid-19. Depuis 2005, les établissements de santé publics ou privés se sont vus imposer près de 9 milliards d'euros d'économies. Merci Sarkozy, Hollande, Macron. Pire, la financiarisation a triomphé partout, nous disent les auteurs Isambert et Janvier. Notamment, grâce à cette logique toute communautaire, les partenariats publics-privés si prisés par Bruxelles. Depuis les années 80-90, les hôpitaux publics ont été contraints de recourir au marché financier. Le résultat a été éloquent. Avec l'affaire Dexia et les empreintes toxiques, la Fédération hospitalière de France évalue la perte à 1,5 milliard d'euros en 2017. Notre réel est pénible, mais nous devons le regarder en face. Quand les malades mouraient sur des brancards dans les couloirs de nos services d'urgence des hôpitaux de France, ce n'était pas de la seule faute de la Covid-19. En 2013, l'emprunt en cours des hôpitaux auprès des banques s'est levé à 28 milliards d'euros, dont 7 milliards en emprunt déstructuré à taux variable avec 1,5 milliard d'emprunts toxiques, un boulet au pied des hôpitaux. En 2019, le sénateur Meurant rappelait que la Cour des comptes pointait le triplement de la dette des établissements publics de santé à près de 30 milliards d'euros, dont 20% d'emprunts toxiques en avril 2014. Derrière les emprunts toxiques, les banques de contrepartie, nous rappellent Isambert et Janvier. Vous les connaissez toutes, Goldman Sachs, JP Morgan, UBS. La financiarisation partout, oui, même dans les secteurs de dons. L'analyse des placements financiers du Téléthon ou encore de l'immense trust que constitue la Fondation de France fait froid dans le dos avec ses placements financiers douteux. Même la très respectable Inspection Générale des Finances s'en émeut dans un rapport de 2017. Nous pourrions ici développer à souhait la finance partout. Pire, aujourd'hui, une immense supercherie consiste à dissimuler les échecs patents d'un système totalement corrompu derrière la seule crise de la Covid-19. La crise de la Covid-19, elle a bon dos. Nous devons en dire un mot. Dès 2018, le Haut Conseil des Finances Publiques alertait sur les risques économiques importants. Avec la crise financière de 2008, le secteur financier a coûté aux finances publiques plus de 1500 milliards d'euros. Entre 2008 et 2009, la croissance annuelle a perdu près de 47% et le déficit français a grimpé de 7,5% du PIB. Ah ! En 2018, les conséquences des pertes des crises de 2008 et 2011 n'avaient toujours pas été comblées. Les plans de licenciement étaient à foison. Airbus, 1900 postes. Alinéa, 2000. La Halle, 5300. André Chaussures, 600. Naf, 1100. Camailleux, 3900. Radio France, 250. Renault, 15 000, dont 4 600 en France. Disneyland France, à Paris, 350. Mais aussi, étaient touchés Ford à Blanquefort, les sucreries Saint-Louis en Picardie, etc. Sans parler de la vente à l'étranger de certains de nos champions, depuis démantelés, Arcelor, Lafarge, Péchiné, Thompson, et toujours pas de Covid en vue. En 2018, on pouvait constater que la France était un des pays européens en crise les plus désindustrialisés. Voilà ce qu'était notre réalité. Et c'est dans ce contexte que la crise du Covid-19 est survenue. Heureuse crise du Covid-19,
restructuration pré-garantie par l'État. Airbus, Renault, Air France, 5 milliards, 7 milliards, l'argent s'est soudain remis à couler à flot. Et dans le même temps, des annonces de dizaines de milliers de suppressions d'emplois, y compris surtout parmi les entreprises aidées. Un comble. Heureuse crise du Covid-19, même au niveau mondial. 11 400 milliards de dollars US de dividendes à travers le monde en 10 ans. La fortune de Jeff Bezos, PDG d'Amazon, a augmenté de 36 milliards de dollars. Celle de Zuckerberg de 30 milliards. Et en France, les patrons du CAC 40 ont vu leur rémunération exploser. Christopher Viabacher pour Sanofi, 12 millions d'euros par an. Bernard Charles pour Dassault Systèmes, 11 millions. Éric Donnoyer pour Numérique ABCFR, 8 millions. Alexandre Bompard pour Carrefour, 8 millions. Jean-Paul Agon de L'Oréal, 8 millions. Parce que je le vaux bien, très certainement. Stéphane Richard pour Orange, 1,32 million, le pauvre. Et enfin, Henri Proglio pour EDF, à peine 450 000 euros, une misère, plafondée parce qu'il s'agit d'une entreprise publique. Ah, le pauvre. Mieux, il y a les dividendes, avec un versement de 60 milliards d'euros de dividendes aux actionnaires en 2019, la France est devenue le plus gros payeur de la zone euro. Drôle de monde que ce monde. Dans le même temps, la France compte 1,8 million de bénéficiaires du RSA, plus 33% en 10 ans. 3,2 millions de foyers n'ayant plus la prime d'activité sont même sortis des statistiques du RSA. 1 million de personnes bénéficiant de l'allocation pour handicapés, 1,4 million sans droit, 1,6 million de personnes en situation de sous-emploi en France. Au total, conclut Isambert et Janvier, plus de 15 millions de personnes en France sont sans emploi, travailleurs occasionnels, sous-employés ou pauvres. L'examen de la population active en France métropolitaine, estimé par l'INSEE à 28 millions de personnes, permet d'évaluer ainsi le véritable de non-emploi total et précaire à plus de 55%. Ces chiffres illustrent seuls un type de société insupportable que nous devons totalement refuser. Nous ne parlons pas ici des paradis fiscaux, des systèmes bancaires tels que le shadow banking, évalué à près de 99 000 milliards de dollars fin 2016, qui échappent à tout contrôle. Cette finance de l'ombre doit être combattue ardemment. Elle révèle bien plus que des profits. Elle dit beaucoup sur l'esprit de notre monde. Après avoir dit combien nous ne partageons ni la méthode ni les objectifs de cette vision du monde, nous devons nous interroger sur la philosophie qui la sous-tend. La crise que nous vivons depuis des décennies s'apparente à un véritable choc des titans. La crise du Covid-19 servira de prétexte pour avaliser des changements politiques et sociaux profonds et annoncés visant à garantir les profits de quelques-uns toujours plus énormes au détriment des autres, mais plus encore. Déjà s'annonce la grande réinitialisation, The Great Reset, vaste plan pour accompagner l'adaptation de nos systèmes politiques et sociaux aux exigences d'une compétition devenue mondiale, au service d'une caste, la hyper-hyper-classe mondiale, déjà décrite, annoncée par David Rothkopf. Il faut soumettre le parc humain, l'expression est de Peter Sloterdijk, à la domination d'une nouvelle élite mondiale. Nous entrons ainsi dans une nouvelle ère de l'humanité où les outils numériques, les mesures biopolitiques vont permettre une domination totale sur le parc humain. Nous devons alors nous interroger, est-ce bon pour nous, est-ce bon pour l'humanité? D'évidence, nous sommes en train de changer de paradigme fondateur. Plusieurs auteurs l'avaient déjà annoncé, je pense au dialogue effrayant entre Léo Strauss et Kojève, annonçant comme nécessaire une révolte nihiliste pour faire régresser l'humanité à la condition misérable du paléolithique, afin que tout recommence. Je pense aux écrits de Brzezinski, constatant l'éveil politique mondial comme source de nombreux troubles à venir et préconisant la création de l'appareil gouvernemental mondial oppressif pour assurer la pérennité de l'oligarchie. Faut-il, avec sourire, citer les maîtres du Zohar pour qui l'humanité est entrée dans la lutte finale entre Gog et Magog, acte final des temps messianiques. Quelles que soient nos sources, nous devons comprendre que nous sommes aujourd'hui confrontés à une interrogation ultime.
Quel type d'humanité voulons-nous construire? Une élite mondiale doit-elle dominer une sous-humanité? Ou devons-nous construire, même sans naïveté aucune, une humanité réunie, pacifiée, progressiste? Cette question se pose à chacun comme à nous tous. Réunis ce soir, nous tentons de répondre à ces questions. Ne croyez pas que nous soyons éloignés de ces sujets, c'est tout le contraire. Nous sommes ici pour réaffirmer que chaque homme s'élève en citoyen, s'unit en peuple, nation et décide pour le bien commun. Cette vision de l'homme émancipé par la raison pure reste pour nous le chemin essentiel pour construire notre future humanité. C'est la raison pour laquelle nous affirmons ce soir que seuls les citoyens réunis en nation sont les détenteurs de la souveraineté. Nous sommes réunis ce soir, bien sûr, pour dire cette vérité en souvenir de ceux qui nous ont précédés. Nous fêtons ce mois-ci le 150e anniversaire de la Commune de Paris et Jacques Cheminade me rappelait il y a quelques jours que Marx et Engels avaient écrit « regretter que les communards aient oublié de s'emparer de la Banque de France ». Nous mesurons combien Marx et Engels avaient raison. D'autres menaces guettent la France. Je pense à ce terrible mal français, celui de la division, et j'en terminerai par ces mots. Unissez-vous tous pour le salut public et pour rester une nation indépendante. Par ces mots justes, Napoléon concluait sa lettre d'abdication le 22 juin 1815. Je pense qu'il avait totalement raison. Gardons foi à la France, gardons foi à la République. Je vous remercie.